Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Ospita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, il sait que ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo, voilà. Comme vous le savez, actuellement, c'est un peu coincé. On essaie de faire comme on peut. C'est vrai qu'on fait des vidéos, mais il y a des éléments aussi que nous-mêmes, nous devons gérer pour pouvoir régler un peu et pour pouvoir suivre ce pourquoi on est ici, vous comprenez? Donc, excusez-moi vraiment pour ce que je ne réponds pas rapidement ou bien pour ce que vous m'envoyez un message que je n'ai pas encore répondu et tout ça. Voilà, donc sachez que c'est sur cette chaîne YouTube. Je vous donne des informations sur les thèmes de bourse et puis pour ceux aussi qui veulent les postuler, voilà, vous pouvez toujours les postuler. Et en même temps, j'aimerais donner l'information que pour ceux qui veulent venir étudier en Russie en ce qui concerne les admissions sont déjà ouvertes, voilà, et ça va prendre fin très bientôt. Ça va pas faire un mois, donc. Vous avez moins d'un mois pour ceux qui veulent vraiment étudier ici en Russie. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo là pour vous présenter la bourse DAD qui est lancée. C'est une bourse qui me tient vraiment à cœur parce que cette bourse là recrute plusieurs étudiants. Voilà, mais il y a vraiment des étudiants de façon spéciale. Voilà, que cette bourse là aime vraiment recruter. C'est ceux qui font beaucoup de bénévolat. Donc, d'abord, je vais vous annoncer la bourse et puis je vais vous dire aussi les éléments que vous devez apprêter pour pouvoir poursuivre cette bourse-là pour ne pas aller vite en besogne. Voilà, donc pour cette bourse-là, vous savez déjà comment ça se passe. C'est la bourse DAD. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous allez suivre et puis vous allez pouvoir la postuler. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cette bourse-là? D'abord, la bourse est hyper totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez cette bourse-là, de 1, vous n'allez pas payer, c'est-à-dire vos billets d'avion et tout ça. De 2, vous allez étudier gratuitement et puis chaque fin du mois, vous avez des subventions et tout, tout, tout. C'est hyper gratuit. Si vous avez cette bourse-là, je vous dis, c'est une bourse allemande et c'est hyper gratuit. C'est la bourse de Schmidt. Vous comprenez? Voilà, donc, cette bourse-là, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Vous savez, c'est comme une routine. Il y a des éléments à pouvoir apprêter, comme le passeport. Voilà, il y a le diplôme aussi. Et n'oubliez pas, en parlant de diplôme, cette bourse-là, je répète encore, cette bourse, ça concerne que le master et le doctorat. Donc, ceux qui font la licence, je vous dis en même temps d'attendre une nouvelle bourse. Je vais mettre en ligne pour que vous puissiez au moins la postuler. Donc, vous avez besoin du passeport, du diplôme de baccalauréat et puis des relevés de notes. Et vous avez besoin aussi de quoi? D'un CV et de deux lettres de recommandation. Et avec cela, ce qui est important, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir essayer d'avoir des certificats de bénévolat. C'est-à-dire, si vous faites du bénévolat, il faudrait que vous ayez un document qui signifie ou bien qui vérifie, qui certifie vraiment que vous faites du bénévolat un peu partout. Vous ajoutez ces éléments-là et surtout, c'est vrai que cette bourse-là n'exige pas vraiment les thèmes en anglais, mais si vous avez un certificat que vous avez déjà fait quelque part en anglais ou bien en allemand, vous pouvez ajouter. Et ce que je voulais vous dire aussi, tout ce que vous allez remplir, parce qu'il y a un formulaire qui est là, que vous allez remplir et vous allez ajouter au document pour pouvoir postuler. Donc, je vais mettre aussi le lien du formulaire, ou bien vous allez aller sur le site, vous allez voir le formulaire. Ceux qui sont dans le groupe, je vais mettre le formulaire dans le groupe, comme ça vous allez pouvoir un peu voir rapidement. Maintenant, ceux qui suivent directement sur YouTube, lorsque vous allez aller sur le site de date, voilà, vous allez voir ce formulaire là-bas, vous allez télécharger, vous allez remplir directement. Et je vous dis en même temps, ce formulaire-là, on ne tire pas pour remplir, on remplit directement sur le thème PDF pour pouvoir postuler avec. Voilà, il y a plusieurs questions. Donc, si vous avez des questions, si vous remplissez et que vous rencontrez des problèmes, vous pouvez écrire en commentaire. Je dis bien en commentaire YouTube. Comme ça, je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi il s'agit et puis comment ça se passe. Voilà, n'oubliez pas. Et lorsque vous allez finir ce formulaire-là, vous allez compléter votre passeport, vos diplômes et vous allez compléter aussi votre niveau en termes de bénévolat. Voilà ce que vous avez fait. Et puis aussi, vous pouvez aussi ajouter les conférences que vous avez déjà eues chez vous. Si vous avez déjà participé à des événements et tout ça, des événements qui sont vraiment très importants. Si vous avez déjà participé à ces événements-là, vous pouvez ajouter pour pouvoir postuler. Voilà, parce qu'ils veulent un peu des esprits critiques, ils veulent un peu des personnes qui sont un peu éveillées. Donc, si vous avez tous ces documents-là, n'hésitez pas à pouvoir les ajouter. Je répète encore, tous les éléments doivent être en anglais. Même lorsque vous allez remplir, tout doit être en anglais. Voilà, donc c'était une petite information que je voulais vous donner. Sachez que je suis toujours là, mais c'est parce que je suis un peu occupé. Voilà, après le 29 ou bien après le 30, c'est-à-dire, si vous voulez, je vais mettre le 2 juillet. Après, une fois qu'on est au 2 juillet, il serait vraiment constant.
sur YouTube pour vous donner plus d'informations. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, mon compte Facebook a été bloqué. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau compte. Je vais mettre le lien là en commentaire parce que les vidéos seront là-bas avant d'être sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir voir cette vidéo-là là-bas avant de voir sur YouTube si vous avez des questions et tout ça pour pouvoir les poser. Voilà, donc les gars, c'était moi, Samuel Spitard. Si vous avez des soucis, je répète encore, ceux qui veulent postuler pour les admissions en Russie, c'est possible. Vous pouvez m'écrire une box avec le numéro qui est là, sans souci. Donc, à plus les gars, c'était moi, Samuel Spitard, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. À plus les gars.